Chers amis Van Life, bienvenue sur votre petite guidance, votre petite canalisation, même puisque je ne compte pas utiliser de cartes. Ce week-end, on me parle de communication ou plutôt de confidence. Se confier à un ami, trouver oreille, trouver épaule, trouver soutien. L'envie de parler, ça peut être de juste des petites tracasseries, des petits questionnements qu'on a sur son avenir, sur voilà, des petites choses qui nous traversent comme ça. Il y a besoin d'une certaine manière de se décharger par l'expression orale. Et puis pour d'autres, c'est plus lourd. Pour d'autres, les sujets sont plus lourds. C'est on parle de peine, de tristesse, de... Ça pourrait être des deuils aussi. On a perdu quelqu'un ici, mais de manière... Enfin voilà, vraiment, le deuil... Donc, trouver oreille de confiance, j'allais dire. En revanche, alors, on me rappelle de vous dire, on a deux oreilles pour une bouche, parce que on est censé écouter deux fois plus qu'on ne parle. Voilà. Donc, si quelqu'un vient se confier à vous, comprenez bien que cette personne, elle ne cherche pas forcément des réponses ni des solutions. Elle cherche de l'écoute. Rien que de s'entendre parler et dire ce qu'elle dit, va l'aider à prendre du recul sur elle-même. Voilà. Donc vous, soyez juste à l'écoute. Et puis si c'est l'inverse, bon bah c'est l'inverse. Peut-être que c'est vous qui avez besoin de vous confier. En revanche, il y a un drapeau rouge. Il y a un drapeau rouge si vous savez que cette personne fait des va-et-vient dans votre vie et qu'elle n'est pas toujours disponible pour vous. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui est plutôt, j'allais pas dire égoïste, mais c'est quelqu'un qui est très très nombriliste. Voilà. C'est pas égoïste, c'est nombriliste. C'est-à-dire que ça tourne toujours. Cette personne vit toujours les trucs les pires. C'est toujours... comment dire? Elle ne s'intéresse pas tellement aux autres. Elle s'intéresse très à elle-même, mais pas tellement aux autres. Si cette personne que vous reconnaissez vient pleurer sur votre épaule, comme ça, un petit peu de manière impromptue, c'est-à-dire que vous n'avez pas souvent de ses nouvelles, ou alors elle fait des va-et-vient dans votre vie, attention. Attention, cette personne, elle vient décharger. Alors là, on montre une benne, quoi. Une benne de recyclage, quoi. C'est une espèce de foutoir dans sa tête. Et elle vient décharger tous ces trucs à recycler, là. Mais alors, il y a de tout. Hein. Quand je parle de recyclage, je veux dire, il y a de tout. Hein. C'est un peu tout mélangé, là. Elle vient tout déballer, là, chez vous, là. Elle vient vider, entre guillemets, un peu ses ordures chez vous. Et, bon, ben voilà, quoi. Merci. Au revoir. Attention. Si vous savez que cette personne n'est pas capable encore à jouer le jeu de la réciprocité... Est-ce qu'il ne faut pas faire attention? Est-ce que... Enfin, vous devez le sentir, quoi. Il y a une forme de réciprocité qui doit être ressentie. Parce que vous avez peut-être l'habitude d'être beaucoup à l'écoute des autres, mais qui vous écoute?
si cette personne, du jour au lendemain, elle se pointe pour vider ses ordures et que vous, elle vous écoute jamais, bon, bah, qu'est-ce que vous faites toc, 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 bonjour, me voilà, hein, je suis triste, je pleure, machin, tiens, regarde ça, ce qui m'arrive, bidule et tout. Elle te prend tout, elle te bouffe toute ton énergie et puis elle repart et toi, c'est toi qui est complètement vidé. Presque tu pleures de toutes ces emmerdes parce que t'es en pâte. Attention! Là, je suis obligée de mettre ce drapeau rouge parce que je pense que je parle à des gens qui, oui, sont en pâte et qui s'affublent d'énergie qui ne leur appartiennent pas et qui ont déjà vécu ce genre de schéma. C'est des choses que vous avez mis beaucoup de temps à combattre. Vous priorisez. Vous priorisez a été un combat. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Si vous n'êtes pas en mesure d'écouter cette personne, parce que vous ne le sentez pas, vous êtes fatigué, ou parce que vous sentez que cette personne, elle vient juste déverser ses merdes, et que ça va finir de, comme d'habitude, que cette personne, vous n'allez plus la revoir, vous n'allez plus entendre parler pendant je ne sais pas combien de temps, attention. Voilà. On ne pourra pas dire que j'ai pas prévenu. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, bon, je vais prendre l'eau chaude. Est-ce qu'on a... Le mental, c'est un truc de ouf. Oh punaise, j'ai des frissons. Je vous ai dit que c'était quelqu'un qui n'avait pas tellement l'habitude de donner. Quelqu'un qui était assez nombriliste. Je suis avare d'expression, je suis avare de sentiments, de bons sentiments. Voilà. Je tourne beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon enrichissement personnel. Voilà. Il faut que ça tourne autour de moi. Et le mental. Et ça me fait penser à cette benne dans laquelle il y a tout un tas de bordel. Il y a un peu de tout là-dedans. Et on vient, comme ça, hein, de manière spontanée, te déverser tout ça. Putain, j'en ai plein la tête. Qui est-ce qui va m'écouter ? Oui, bah alors attention, drapeau rouge. Voilà. Et puis là, la politique, la solitude. On peut vous expliquer ici que cette personne, peut-être qu'aujourd'hui, elle est en train de changer dans le sens où elle est sincère. Pourquoi ? Peut-être que cette personne, elle était comme ça. Elle fonctionne un peu comme ça, très nombriliste. Je ne vais pas refaire tout le tableau. Et qu'aujourd'hui, ce qu'elle traverse, c'est tellement bouleversant qu'il y a une forme de dévoilement. On dévoile ce qui nous touche de manière intime. On se livre. On s'en remet à. On tombe le masque. Alors, ce sera à vous, si tout ça vous parle bien entendu, ce sera à vous de faire la part des choses. Allez, je vais faire deux groupes. Les personnes qui ont besoin de se confier et les personnes qui pourraient être le confident. Donc la personne qui a besoin de se confier, ouïouïou, et le confident, une seule s'il vous plaît, le confident. Non, une seule, ben non, on ne va pas y arriver, oulala. Le confident, une seule s'il vous plaît. Je vais aller la chercher. Non mais je vais aller la chercher, c'est pas grave, ça revient au même. Hop. Le confident, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout.
Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Bon, on a quelqu'un qui est en plein éveil spirituel là. Voilà, il n'y a pas autre chose. Archange Michael, pour les personnes qui seraient le confident. Le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire.